c'est la magie de ce jeu qui fait qu'on a envie d'y rejouer. Qu'est-ce qui fait la magie du jeu? Je ne sais pas. Pas encore. C'est un graphisme très particulier, très original. Je prends la case. C'est intéressant de voir le hasard. Ça m'en parle beaucoup, celle-là. Oui, il m'aime bien aussi. Moi, ça me convient. Bien. Bien. J'adore cette carte. J'y pense. You better hold more than your skirt, miss, please. I'm the queen of the Nile, so just bow down to me. J'ai tiré par hasard l'enfant. Et l'enfant, pour moi, qui est dans la position de la dimension de la guerre, c'est je dois viser la spontanéité. On voyait Jules tout à l'heure, 12 ans, je crois, qui avait l'air d'en savoir plus que nous tous. Je pense justement, oui, que le dessin rend ce... Du coup, c'est complètement transgénérationnel. Pourquoi je parle aussi, c'est parce qu'il y a des choses que je ne supporte pas, que j'ai un idéal de justice que je porte et que je veux faire changer, je veux faire bouger les choses en fait en fond, sur certains points. Le jeu du phénix est connecté à plein d'autres choses qui m'intéressent en ce moment. Ça m'interroge vraiment. Ça peut s'appliquer à tout en fait, toutes les questions qu'on peut avoir. Prendre plutôt les situations et les évolutions avec plus de charme. Ce jeu est bourré d'humanité. Et je crois que c'est ce dont on a le plus besoin sur cette planète aujourd'hui.